Un jour on rit, un jour on pleure, la vie est triste, un jour on gagne, un jour on perd, mais il faut l'accepter, les joies et les peines, tout ça c'est la vie. Ne sous-estime jamais personne, alors si tu le fais, tu as frappé à côté. Si tu le fais, tu le regretteras. Ne sous-estime jamais personne, parce que la vie nous réserve les surprises. Chaque jour est le même, mais chaque année n'est pas la même. Souvent on sous-estime quelqu'un, mais un jour il est plus grand que tous. Oui, sans problème. Ah. Vous donnez combien? Vous allez me donner 1000 francs. J'ai 600. Non, 600 n'est pas bon. 700, ça va. Ok. Et on pleure. Un jour on gagne, un jour on perd, mais il faut l'accepter, c'est l'aller et le retour. S'il vous plaît, est-ce que je peux connaître votre nom? Moi déjà, c'est Batomene. Je m'appelle Chakunte. Vous avez un joli nom. Mademoiselle, s'il vous plaît, est-ce que de temps en temps, quand je passe ici, je peux venir vous saluer? Merci. Merci. Au revoir. Coupé. Thank you.
Va toi-même. Bonjour, Tchakounté. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Tchakounté, si je suis venu ici aujourd'hui, c'est parce que la dernière fois, je n'ai pas pu rester indifférent face à toi. Je ne dors pas depuis ça. Je rêve de toi toute la nuit. C'est pour ça que je suis venu te dire que mon cœur est emporté par toi. Je crois que me courons. Donc, je suis venu te demander un mariage. Je veux que tu sois ma femme. Attends, Jean, je suis ta femme, tu es mon mari, c'est ça? Tu es malade? Attends, tu m'as bien regardé, Batoumen. Hein? C'est pas possible. Tu sais quoi? Je ne suis même pas d'humeur à plaisanter. C'est même quoi cette histoire? Je vais t'épouser. Dégage d'ici avant que je m'énerve, hein? Donne-moi ces chaussures. Sors de chez nous! Sors de chez nous! Dégage d'ici, tu es encore là, hein? Tchakounté, qu'est-ce que cet homme est venu faire ici? Laisse-moi, maman. Il dit qu'il veut m'épouser. Regarde-le, maman. Regarde ses chaussures. Regarde-le. Il est pousseur. Hein. Il pousse au marché. Il veut venir épouser la fille de qui? La fille de Creature? Tu as bien fait de le chasser. J'aimerais que tu épouses un homme bien, qui a ses moyens. Pas comme ton père. Tu dis que quoi? Mais je n'ai pas fait habitué là. Que signifie pour vous un homme bien? C'est un homme qui a un bon travail, qui a de l'argent. Parce que je n'accepterai jamais que ma fille épouse un homme qui va la faire souffrir. Comme j'ai souffert chez toi. Tu as souffert chez moi? Tu as souffert chez moi? Maman qui tu as? Papa, ça t'a mis une main. Pour moi, un homme bien, c'est une personne que son cœur est rempli d'amour, de miséricorde, d'humilité et de la conscience humaine. Tout ça, c'était avant. Maman, il ne m'a pas venu me trouver aujourd'hui. Je vais t'épouser. N'importe quoi. Chapmi! Oui! Chapmi! Oui! C'est quoi? Ma copine, tu ne devines pas ce qui vient de m'arriver. Donc je suis là, je prie. Je pleure même quand je prie mon Dieu pour qu'il m'envoie un bon mari. Maman, c'est un pousseur qui a le culot de venir me demander un mariage. Jusqu'il porte ses pieds kounia pour venir chez mon père. Ha! Wanda! Un pousseur n'est pas un homme. Ça veut dire quoi? En tout cas, moi, si Dieu me donne un homme riche, c'est bien. Mais s'il me donne un homme qui n'est pas riche, c'est encore bien. Lui et moi chercherons de l'argent pour pouvoir mieux vivre. On vous connaît ici dehors. Vous faites comme si vous n'aimiez pas l'argent. La pauvreté a déjà acheté quoi à qui? Ça a déjà acheté une belle robe ou une belle maison ou une belle voiture à qui? En tout cas, moi, j'aime l'argent. Je mérite l'argent. Et si un prétendant est pauvre, qui dégage?
S'il te plaît, écoute-moi d'abord. Tchakunte. S'il te plaît, écoute-moi, non. Tchakunte. C'est avec les deux mains posées sur le cœur que je reviens te voir pour cette deuxième fois. La nuit dernière, tu m'as parlé mal, mais ça n'a empêché que je rêve de toi. S'il te plaît, Tchakunte. Je ne sais pas si je peux vivre sans toi. S'il te plaît, deviens mon épouse, non? Hé, hey, hé! Hey. Malchance! Yeah. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans « Je ne veux rien avoir à faire avec un pousseur comme toi » hein? Regarde-le! Je t'ai dit non la première fois et je te redis non aujourd'hui. Quand tu me regardes là, je suis ton niveau. Hein? Moi, Tchakunte, m'énerve pas. Ne m'énerve pas où je suis là. Je peux te faire quelque chose que tu ne vas pas apprécier du tout. Tchakunte, ton raisonnement est très désagréable. Mais je te pardonne. Regarde. J'ai acheté un nouveau boubou et des chaussures pour venir te voir. Cela prouve que je peux te rendre heureuse. Donne-moi juste une chance de te montrer que je peux te rendre heureuse et ensemble tu verras. Je peux changer ta vie d'une autre façon. Tu vas me rendre heureuse avec quoi? Hein? Regardez-le. La classe, il n'y a pas. L'élégance, hein? Il n'y a pas. L'argent, alors n'en parlons plus. Viens se placer devant moi. Dégage d'ici avant que je ne m'énerve. Je vais me mettre en colère et ce ne sera pas plaisant pour toi. Tchakunte, s'il te plaît, comprends ce que je dis. Tu es encore là? Tchakunte, c'est que... Tu es encore là? Tchakunte. La prochaine fois que tu viens ici, même si c'est pour dire bonjour, tu franchis un peu la course. C'est l'huile chaude que je vais te verser. Normal. Hey, stop! De quoi je me mêle? Ton problème est à quel niveau? En quoi est-ce que ça te regarde? Un homme te demande en mariage. Remercie d'abord le bon Dieu. Tu ne sais pas qu'il y a les femmes ici dehors qui cherchent le mariage avec la torche et qui ne trouvent pas? Tu as même de la chance qu'on vienne voir tes parents. Tu es déjà son avocat, maman. Ah, tu as trop pitié de lui. Ok. Épouse-le, tu comprends? Vous formez même d'ailleurs un beau couple tous les deux. Monsieur Pousseur, Madame Pousseuse. Mais je vous dis déjà, je ne vais pas assister à votre mariage de misérable là. Il me fait la morale. Bonjour mes enfants. Bonjour la mère. Bonjour la mère. S'il vous plaît mes enfants, je voulais qu'on m'accompagne un peu. C'est où Bédou? C'est vers l'hôpital de l'autre côté là. Ça va faire 1000 francs. Hé hey, mon fils, 1000 francs sur tes petits bagages. J'ai 400. S'il te plaît, j'ai 400.
Ça va. Je faisais ça seulement pour t'aider. Ça va. Hé, hey, mon fils, pas même ceci, tu peux manger les beignets avec mon papa. Non, maman, c'est parce que les autres t'ont poussé là que je suis venu t'aider. Tu sais, une mère n'est pas seulement celle qui a enfanté les enfants. C'est celle-là qui nourrit tous les autres enfants. Alors, je n'ai pas aimé la façon dont mes collègues ont fait. C'est pour ça que je t'ai aidé. Ça va. Merci, papa. Tout ça, c'est la vie. Des autres, mais en oubliant. Les gars, comme j'ai dit tout à l'heure, quand il va revenir là, on va s'en charger de lui. Ok. Hein? D'accord. C'est déjà trop dans le temps. J'ai dit, c'est déjà trop. Mais quelqu'un sort d'un village dehors, il vient. C'est trop. Et toi, je te connais. J'espère que tu vas taper aussi. Nous tous, hein. Voilà. C'est aujourd'hui là, on va résoudre ça. C'est trop. C'est trop. Mon ami, viens là. Qu'est-ce qui te donne le droit de m'arracher maintenant les clients? Hein? Qu'est-ce qui te donne le droit de prendre ce qui est à moi? De quoi est-ce que tu parles? Tu m'accuses même de quoi? En fait, tu parles de quoi? La mère de tout à l'heure, c'était ma cliente ou la tienne? Ça, c'est du n'importe quoi. Tu dis du n'importe quoi. En venant là, j'ai vu comment elle t'a supplié de lui accorder miséricorde, de prendre l'argent qu'elle t'a donné. Tu as refusé. Moi, j'ai eu pitié. Je ne pouvais pas la laisser comme ça. J'ai décidé de l'accompagner. Mon ami, quand nous, on sort de chez nous pour venir chercher l'argent, ce n'est pas pour donner de la pitié aux gens. Est-ce que tu m'entends? Ce n'est pas pour donner de la pitié aux gens. Et surtout les gens qui nous cassent les pieds comme ça là. Nous, on n'en a pas besoin. Si tu avais refusé de prendre l'argent tout à l'heure, elle aurait peut-être augmenté sur ce qu'elle a proposé. Hein? Qu'est-ce qui te donne même le droit d'interférer dans nos affaires? Hein? De toutes les façons. Je vais te tuer! Attends, mais pas ça! Ah!
va et toi? Et tu passes là sans me saluer. Je t'ai pas vu. Pourtant, je suis toujours là. Tu te portes bien? C'est grâce à toi. Ok. Tu pars où comme ça? Je rentre à la maison. Je vais t'accompagner, donne-moi le sac. Non, merci. Ok. Non. T'insistes. Après tout ce que tu as fait pour moi, je ne peux pas me laisser sans t'aider, hein? Si ce n'était pas toi, c'est que je devais perdre ici, donc donne-moi le sac, je vais t'aider. Je n'ai pas d'argent. Donne-moi le sac. Boising bin yorsu bang ben don chit balar nyam ben tambi wa ku swa ta li jishu ye uzimbula bak lo gzangalanga dum si chali ah on peut arriver. Ok, merci beaucoup. Ah, tu n'as pas à me remercier parce que ce que tu as fait pour moi était aussi grand. Si tu n'avais pas été là, c'est qu'aujourd'hui je suis peut-être mort. Tu m'as enlevé des griffes de Bowman. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? En fait, j'étais en train d'arriver au marché avec mon pouce. J'ai vu comment Bowman et sa bande, ils ont refusé de prendre l'argent d'une maman qui était là avec sa nourriture et demandé à être transportée. Le simple fait qu'elle avait 500, ils ont refusé. Moi, j'ai eu pitié d'elle. J'ai dû prendre la nourriture et partir déposer à la maison. Quand je suis revenu, j'étais fâché. Ils se sont mélangés, ils m'ont tabassé. C'est pour ça que tu m'as recouvré ensanglanté comme ça. Sinon, je serais mort si tu n'étais pas venu. Donc vraiment, je tenais à te dire merci pour ça. Ouais. Méfie-toi de ce genre de personnes. Faut être prudent. D'accord. Ok, j'ai compris. Ok. Bon, je vais te laisser. Je passe une bonne journée. Hein. D'accord. Sois prudent. Est-ce que c'est possible que de temps en temps, je viens souvent ici là, te saluer, histoire de prendre de tes nouvelles? Ok, d'accord. Ok. Tu passes une bonne journée alors. Merci. Mais c'est quoi? Tu n'es pas heureuse de me voir? Non, au contraire. Tu es la bienvenue. Merci. Chepmi, tu sais, si je suis venue ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai plus le temps de te regarder. J'ai plus le temps de t'observer, de te voir pas à pas. Et je peux te dire qu'une femme, surtout une bonne femme, c'est celle-là qui a un bon caractère, qui est douce, aimable et a un cœur pour aimer tout le monde. Chapmi, je suis là parce que je me dis que j'ai déjà atteint l'âge de me marier et j'aimerais que tu acceptes de partager ta vie avec moi. Donc je suis venu là pour te dire que je veux me marier avec toi.
C'est pas toi qui as demandé ma copine en mariage. C'est vrai, mais heureusement que Dieu a ouvert mes yeux. Parce que je suis sûr que si elle avait accepté, c'est qu'aujourd'hui, je souffre. Jimmy, tu es différente de toutes les filles. S'il te plaît, accepte-moi comme époux. J'espère que tu n'es pas le genre d'homme qui colle les têtes de copines. Non, loin de moi cette idée. Jamais. Je ne peux pas faire ça. Tu sais que toi, tu es unique. Tu es toutes les filles là rassemblées en toi seule. Si je suis là, c'est parce que j'ai jugé bon de ne plus perdre le temps. S'il te plaît, Jimmy. S'il te plaît. Dis-moi oui. J'espère que tu n'es pas le genre d'homme que demain, quand tu auras l'argent, tu vas m'abandonner pour aller chercher une autre femme. Non, non. Que Dieu m'en préserve. Jimmy, c'est toi mon agent. Comment je vais faire pour aller chercher une autre personne quand tu es mon agent? S'il te plaît, accepte-moi comme ton homme. Tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux. S'il te plaît, je peux te prendre dans mes bras. C'est toi. J'étais en train de faire un peu de maïs là. Tu es venu me voir. Tu es venu me voir. Tu sais, j'aime quand tu viens me voir de temps en temps comme ça là. Au Bayo Akunga, tu es mon âme de guerre. Tu es mon soleil. Tu es celle-là qui me fait rêver chaque jour. Quand tu n'es pas là, je suis vraiment mal. Parce que je sais que je suis riche en amour. Mais seulement, je suis pauvre. Je suis tellement pauvre que je ne sais pas comment je vais faire pour te rendre heureuse. Ne t'inquiète pas. J'ai besoin de ton amour et de ton affection. L'argent, on va chercher après. J'ai quelque chose à te dire. Demain, pour notre mariage, on va aller à la boutique chercher ta robe de mariage. Ah! Ah! Il faut que tu sois la plus belle du village. Et quand tu passes comme ça, tout le monde crie. Je te dis. Maïs. Ça s'est brûlé du tout. En tout cas, on va manger un peu. Il faut venir de temps en temps comme ça. Thank you.
C'est quoi? Bonjour, Chemi. Bonjour. Pourquoi tu es agressive comme ça? Quoi? Tu sais que quand je te vois, je ne peux pas résister, non? Tu es la plus belle fille de ce village. Tu as dit quoi? Tu es la plus belle fille de ce village. Donc c'est aujourd'hui que tu trouves que je suis la plus belle fille du village. Parce que tu sais que je suis fiancée. Donc maintenant, tu es venue débroussailler mon champ. Je vois qu'il y a un diable dans ta tête qui danse le Benskin. Attaque. Tout ça, c'est à cause de Batoumen. De Batoumen. En tout cas, ou c'est moi ou ce n'est pas moi. C'est la nourriture de qui là-bas, alors que tu as déjà mangé? De quoi tu... Tous les jours. Hein? Tous les jours. Tu as recommencé. Maman, tu sais que... Il est orphelin, non? Sa mère est morte. Donc chaque fois qu'on fait la nourriture, je pense toujours à lui. Hein? Et c'est dans mes mamies que tu penses à lui? Depuis que ta maman est morte, c'est moi qui t'élève, non? Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. Alors tu ne vas pas choisir de nourrir tous les orphelins du monde dans ma marmite. Tu as compris, non? Oui. Hmm? Oui. Oui. Tu peux chercher quoi, tu as? C'est dans mes mamies que tu as venu nourrir les orphelins du monde entier. Ça va, c'est seulement la galère qui nous a ici au pays. Attends. Que quoi? Tu as dit qu'il s'appelle comment? Elle me tombe sur la tête. Non, Matomen était un benguiste. Et moi qui rêvais d'épouser un benguiste, voilà qui est venu m'épouser, je l'ai chassé. Il va venir épouser Djemmi et partir avec elle en Belgique. Ils vont me laisser ici. Une pauvre fille comme ça. Elle ne mérite pas avoir un benguiste comme ça. Ça va pas se passer comme ça. En tout cas, je veux l'empoisonner. Si elle ne meurt pas, je ne vais pas rater une bâtonne. Au moins, on va perdre tout le temps. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Tu oses voler mon fiancé? On fait ça à sa copine. Tu racontes quoi là?
c'est ton fiancé. La deuxième fois, tu lui as versé de l'eau chaude. Et maintenant, tu racontes que c'est ton fiancé. Arrête de raconter partout que c'est ton fiancé. Ok? Tu as raison, ma soeur. C'est vrai que je me suis mal comportée avec lui. Mais je vous félicite. Soyez heureux pour toute votre vie. On est toujours seul, non? C'est me. Sur la balle des dames. Il y a même quand même tout à la maison chaque fois. Laisse-moi pas à l'école. Hein. Il faut apprendre à me respecter. Hein. C'est même qui ça? En tout cas, il t'attend ici. Chef Mi, ma copine. C'est comment? Ça va. Ah, tu sais que nous sommes des sœurs, non? Oui. Et quand on ne peut pas venir nous séparer? Pas ton maître, c'est qui? Oh. Donc, je t'ai fait ton plat préféré. Tu viens manger, non? Tout à l'heure. Ok. Je t'attends, hein? Ok. Ma copine. Maman, j'ai bien posé mon enfant.
Elle a voulu prendre mon fiancé. J'ai voulu l'empoisonner. Moi, me fous. Moi, me fous. Ça a commencé comment? Tu as voulu faire quoi, bébé? Pourquoi les gars mon fiancé. Moi, me fous. Moi, me fous. Tu as côté où est ta petite soeur? Tu as côté. Oh, tu as côté. Mon enfant. Oh, je dis, je mourrai. Oh, Ta maman disait toujours le contraire. L'esprit d'orgueil, l'esprit matériel, la jalousie, le manque d'humilité finit toujours par nous conduire à des actes immoraux et regrettables. Tchakoté, tu as voulu tuer une fille innocente. Qu'est-ce que tu te mets à faire? Tchakoté, Tchakoté, qu'est-ce que tu te mets à faire? Et pour finir, le mal est retourné sur nous-mêmes en chien. Tu as tué ta petite soeur Nata. Tchakoté. Tchakoté, un homme innocent a tué, un homme honnête a accouché le diable. Me fume, Tchakoté. Garde le bébé. Je suis Batomen, ton fiancé. Chérie, lorsque j'ai quitté de la Belgique, j'ai décidé de tout cacher ma vie afin de trouver la femme avec qui je veux pouvoir vivre, pas pour de l'argent, mais pour de l'amour. Je peux remercier Dieu maintenant parce qu'il m'a montré une femme au grand cœur, une femme qui ne regarde pas les moyens, mais qui est là pour l'amour, le vrai amour. Tu es mon amour, ma colombe. Je t'aime, mon amour. Moi aussi, j'ai voulu que Dieu me donne un homme pauvre pour qu'on puisse chercher de l'argent ensemble.
Un jour, Dieu a demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Salomon lui a répondu, je veux que tu me donnes la force et l'intelligence pour pouvoir gouverner mon peuple. Mais Dieu lui a donné la force, l'intelligence et l'argent pour gouverner son peuple. Chérie, nous en ici. Tchakunte a failli m'empoisonner, mais elle a fini par tuer sa propre petite sœur. Mon Dieu, elle a fait ça? Okay. Il faut qu'on se dépêche rapidement. D'accord. Vas-y, vas-y, chauffeur, amène-nous à l'hôtel. À l'hôtel? Oui. J'ai déjà fait tous tes papiers, j'ai fait ton passeport et je t'amène en Belgique dès ce soir. Chauffeur, 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 voilà mon petit frère. Voilà mon petit frère. Arrête-toi, chauffeur, vas-y. Voilà mon petit frère. Couché, couché. Tu fais quoi dans la voiture là? Je suis en train d'aller en Belgique avec mon fiancé. Il faut dire à Tantine que je reviendrai vous chercher. Enfin, tu vas beaucoup me manquer. Ne t'inquiète pas, je reviendrai vous chercher. D'accord? Un jour on gagne, un jour on perd, mais il faut l'accepter. Les joies et les peines, tout ça c'est la vie. Ne sous-estime jamais personne. Alors si tu le fais, tu as frappé à côté. Si tu le fais, tu le regretteras. Ne sous-estime jamais personne, parce que la vie nous réserve les surprises. Chaque jour est le même, mais chaque année n'est pas la même. Souvent on sous-estime quelqu'un, mais un jour il est plus grand que tous. Est belle, mais elle est aussi triste. Lorsqu'on gagne, on est content, on rit. Mais lorsqu'on perd, on est fâché, on pleure. Sèche tes larmes, les joies et les peines. Tout ça, c'est la vie. Lorsqu'on a le pouvoir, on s'en fout des autres. Je viens juste te dire que ma grande soeur, Zachetmi, est partie en Europe avec son fiancé. Qu'est-ce que tu racontes là? Ma grande soeur est partie en Europe. Non! Chercher à combattre le bien. Mais comme Dieu est bon et juste, le bien finit toujours par triompher sur le mal. Et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pas ma faute, ma petite sœur est morte.
Chakunte, tu es devenu un criminel. Il est devenu un criminel. Ngatat, pardon, pardonne-moi. Pardonne-moi, ma sœur chérie, pardonne-moi. Tu me manques, ma petite sœur. Tu me manques beaucoup. J'ai même fait tout ça, pourquoi? Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, mon Dieu. Avait voulu tuer par jalousie sa camarade Chitmi, la pauvre fille innocente, par la nourriture empoisonnée. Mais comme le courrier du méchant lui revient toujours, finalement, c'est sa petite sœur Ngata qui a mangé cette nourriture empoisonnée et décédée. Après l'inhumation de Ngata, Prosper, le papa de Chakunte, lui a donné une correction et l'a chassé de la maison et voulu également la livrer à la police. Mais Nkuchio, la maman de Chakunte, a rappelé à son mari, Papa Prosper, le dicton africain qui dit « Quand on punit un enfant, on ne le jette pas dehors, on le laisse dans la maison. » Elle répéta à son mari « S'il te plaît chérie, ne fais pas ça. Nous avons déjà perdu notre enfant, la petite sœur de Chakunte. Si tu livres ta fille à la police, le malheur va nous frapper pour une deuxième fois. » Si tu livres ta fille à la police, sa sentence au palais de justice sera une condamnation à perpétuité et nous allons perdre notre fille Chakunte. Et finalement, Prosper, le papa de Chakunte, a écouté les conseils de son épouse. Et Chakunte avait également regretté sincèrement de son acte sans scrupule et demanda pardon à ses parents et leur promit de bien se comporter prochainement et de ne plus jamais commettre ce genre d'acte crapuleux. Un jour on rit, un jour on pleure, la vie est triste. Un jour on gagne, un jour on perd, mais il faut l'accepter. Les joies et les peines, tout ça c'est la vie. Ne sous-estime jamais personne. Alors si tu le fais, tu as frappé à côté. Si tu le fais, tu le regretteras. Ne sous-estime jamais personne. Parce que la vie nous réserve les surprises. Chaque jour est le même, mais chaque année n'est pas la même. Souvent on sous-estime quelqu'un, mais un jour il est plus grand que tous. Est belle, mais elle est aussi triste. Lorsqu'on gagne, on est content, on rit. Mais lorsqu'on perd, on est fâché, on pleure. Sèche tes larmes, les joies et les peines. Tout ça, c'est la vie. Lorsqu'on a le pouvoir, on s'en fout des autres. Mais en oubliant qu'il y a un temps pour toutes choses, on vit au détriment des pauvres, on leur méprise. Mais le jour où le pouvoir finit, c'est le ridicule. La vie n'a plus de sens, on a de remords et on pleure. «
Un jour on gagne, un jour on perd, mais il faut l'accepter, c'est l'aller et le retour. On ne peut pas gagner tout le temps, on ne peut pas perdre tout le temps. En continuant de pleurer, rien ne va changer, tu as déjà perdu. Écoute ton cœur, tu arrêtes de pleurer et trouve une solution à ton problème, tu iras de l'avant et un autre jour tu pourras aussi gagner. Qui se réjouit du malheur des autres, un jour va aussi pleurer. Oh, aujourd'hui c'est ma peau, demain c'est la tienne. Pauvre ou riche, la vie est courte. Un jour on vit, un jour on meurt. Les déceptions, les maladies, les joies et les peines, tout ça c'est la vie.